Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Besti, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte sur le fameux jeu Far Cry Primal. Far Cry Primal, qui va sortir, parce que j'ai eu le jeu un peu en avance, voilà, donc je vous fais évidemment, comme d'habitude, une vidéo découverte sur les nouveaux jeux qui sortent. Un jeu en plus très très attendu. Alors, bon, j'ai cliqué. Donc voilà, une petite vidéo découverte comme ça sur Far Cry Primal. Je ne sais pas, on prononce ça comme on veut. Alors, à savoir que... Ok, bon, ça on verra ça tout à l'heure. Far Cry Primal, donc c'est édité et développé par Ubisoft, évidemment, comme d'habitude, vous vous en doutez. C'est de l'action, FPS, aventure, enfin, un petit peu de tout ça. C'est sorti, ou ça sort, hein, ça dépend à quel moment. Je pense que je mettrai justement cette vidéo le jour de la sortie du jeu. Donc, c'est sorti le 23 février 2016 sur PS4, PC et Xbox One. Peggy conseille ce jeu 18 et plus, évidemment, parce que c'est violent et il y a un petit peu des trucs chelous hein, dans le jeu. Et il n'y a que du solo, évidemment, en campagne, hein, je parle. Parce qu'après, tout ce qui est multijoueur, enfin, un truc connecté, ça, évidemment, il y en a pas mal. Alors, par contre, je vais juste remettre ça pour voir si tout va bien. Oui, ça, c'est bon. Ok, je peux réenlever. Tac. Alors... Donc vidéo découverte, hein, ça veut dire, je rappelle le principe, hein, si jamais vous avez, enfin vous ne connaissez pas. Donc je fais le jeu en totale découverte, hein, je n'ai rien fait du tout, j'ai juste installé une mise à jour, toutes ces conneries là. J'espère que le jeu va pas s'installer en arrière-plan, comme certains jeux maintenant font, parce que sinon ça va me niquer du temps sur la vidéo. Alors, dans les options évidemment... On va au niveau, enfin au plus élevé, enfin moi personnellement c'est le plus élevé. Inversion du tangage en vol, oui, alors je sais pas si je vais pouvoir changer ça. Ouais, alors moi je vais faire ça, pourquoi? Parce que j'aime pas viser et tirer avec L2, R2. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis un vieux de la vieille, il faut croire, hein, je... voilà. Tac, oh putain, la petite musique là derrière nous met bien dans le thème. Donc ça, on est bon, ça, on va dire qu'on est bon aussi. Donc, de toute façon, vous connaissez ou pas, hein, bah oui, c'est vrai que ça dépend, la série Far Cry. Donc là, Primal, donc ça veut dire qu'on revient à l'âge de pierre, hein, plus ou moins. Langue. Oh putain, alors ça c'est bien, on peut choisir plein de langues. En même temps, ça sert à rien de choisir la langue française. Parce que tout ce qui sera en français, en fait, c'est juste les sous-titres. Hein, la voix des gens, c'est un peu... Enfin, comment dire, en... Merde, j'ai cliqué sur ça. Comment dire, à l'âge de pierre, en fait, ils n'avaient pas vraiment de langage, si vous voulez. Donc, même si vous mettez français, ça sera du français, mais du très très vieux français. Hein. On va peut-être pas trop comprendre ce qu'ils vont dire. Alors toujours ce système de points avec Ubisoft qui est franchement pas dégueulasse. Enfin, après, par exemple au niveau des récompenses. Voilà, vous avez des fonds d'écran, des petites choses sympathiques. La bande originale que j'ai déjà, malheureusement, vu que... Enfin, malheureusement que j'ai déjà parce que j'ai... parce que j'ai pris l'édition collector qui est pas dégueulasse en plus, franchement, plutôt sympathique. Voix du chaman. Tac, moi je prends tout, j'ai plein de points Ubisoft en fait, donc je peux tout prendre. Après vous avez les actions à faire dans le jeu qui vont vous rapporter des points Ubisoft justement. Alors le fond d'écran, la bande annonce, on verra ça plus tard. Oui, je quitte. Et on va se faire une nouvelle partie. C'est parti, les amis. Difficulté normale, français, oui, tout ça. C'est bon. Et c'est parti. Retournons à l'âge de pierre. Contrôlons des mammouths. C'est ce qu'on veut. Ouais, alors je suis toujours plus ou moins malade, hein. Oh.
كاتمون تعرف رأيك اللي جبان حلو ليس مهما كما ظننت سانسا وصدقني الله Alors le jeu est vraiment, pour le moment, vraiment joli, hein. Très très beau. La modélisation est franchement assez bluffante, hein. Personnellement là, Ubisoft m'impressionne. Ok, bon, nouvelle apparence de grotte, oui bon ça c'est le truc que je viens d'acheter forcément. Alors, le jeu c'est un Far Cry, hein. Il n'y a pas de grosse... Mince, de grosses différences. Oh putain, la vache. Ah oui, par contre, la sensibilité, faut que je fasse gaffe. Hein. Alors, donc vu que j'ai inversé, forcément. Hop. Donc on aura toujours des postes de contrôle à aller nettoyer, des feuilles à récupérer pour se soigner, des trucs à confectionner, des armes, etc. Il y aura toujours de tout ça, hein, forcément. Oh, nous devons trouver un petit mammouth. C'est quoi un petit mammouth? C'est genre 5 mètres? Je te suis, mon frère. Ouais, franchement, le jeu est assez joli. Bon, le sol, par contre, est un peu dégueulasse. Hein. Je sais pas si vous remarquez, mais... Restez accroupi et suivez Dalso. Putain, mais le gars, il trace de ouf! Il est où? Elle est là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Oh! Ils ont attaqué un mammouth! Ils ont attaqué le petit là-bas! Ya! Yeah.
Putain, j'ai des lances illimitées ou quoi? Oh le bâtard! Oh putain la vache! Ah la puissance du mammouth! Ah merde, j'ai plus de... Ah tiens, elle a un... Ah, j'ai plus de... J'ai plus... Je fais quoi? Passe-moi des lances. Oh le bâtard, il s'est barré! Putain, la violence du... Comment il l'a gerté le truc? Laisse tomber. L3 pour sprinter, bah oui. Tiens, bâtard. Putain, il va me charger. D'accord, tue-le. Tue-le, mammouth. Allez, tiens. C'est bon, là, il meurt, là. 3 dans sa bouche. Oh, le pauvre. Putain, ça me fait trop mal au cœur de voir ça. Bon, après, c'est normal, hein. C'est la chaîne alimentaire et tout. Voilà, on porte hommage, hein, surtout, à la nourriture. Oh! Vas-y, vas-y, on le défonce, on le défonce! Tiens, batteur! Bon, évidemment, je ne contrôle rien, c'est une cinématique. Oh! Ouh. Ah, ça doit faire mal. Ouh, ça doit faire très mal. Ça doit faire très très mal. Alors franchement, le jeu est super beau, hein, pour le moment. La modélisation des personnages et tout, franchement, c'est... Là. Ouais, il y a juste, je disais, oui, le sol. Le sol, il est un peu chelou, hein, par contre. Hein. Je sais pas si vous avez vu, on voit que c'est des textures... voilà. Bon, mon ami, évidemment... Mec! Alors, Oro, je pense, ça doit être la Terre Sainte, hein, j'imagine. Par contre, Wenja, je sais pas ce que c'est. Trouve autre Wenja. Je ne sais pas ce que c'est, Wenja, ça doit signifier quelque chose. Comme par hasard, Delzel la survive, tu vois, ton pote il est mort, mais toi tu survis. Alors je suis encore un peu malade, c'est pour ça que je tousse, hein. Je suis désolé d'ailleurs pour ça. Oh putain, le tigre il est revenu. Besoin armes. C'est vrai qu'on trouve des armes dans la nature. Putain la vache. Besoin arc. Oui. Amasser des ressources pour confectionner un arc. Alors c'est ça qui est apparemment... Ah bon d'accord, j'ai fait une action de l'Ubisoft Club. Je peux me soigner en appuyant sur carré comme avant. Putain on l'entend et tout, c'est un truc de ouf, c'est... Ok donc déjà on a... On a encore la vision du... mince. Bah, la vision de Far Cry en fait qui nous fait avoir tous les machins. La vision de chasseur, voilà, c'est ce qu'ils appellent dans celui-là hein, forcément, mais... par contre, ce serait bien que tu remettes les ingrédients parce que je sais plus trop ce qu'il fallait que je fasse, du coup, enfin ce que je prenne du coup. Voilà, ok. J'imagine que c'est ça qu'il me faut. Hop. Alors, ok, compétences. Alors par contre, je vois, voilà, il y a plusieurs personnages apparemment. Parce que regardez la tête à côté de ceux-là. Ou alors c'est peut-être ceux qui nous donnent les améliorations, mais je sais pas. Compétences, putain. Ouais, en fait, il y a peu. Ouais, on va contrôler plusieurs personnages. À mon avis, au fil du temps, je pense. Par contre, ouais, il y a plein de compétences, c'est un truc de ouf. Sac. Ressources pour le village, peau de bête,
Putain, la vache, franchement, il y a plein de trucs. Bon, en même temps, c'est normal, c'est un Far Cry. Donc, la carte, bon, à mon avis, ça doit pas être la carte complète. Enfin, complète, voilà quoi. Actuel, dégâts 3, précision 6, cadence de tir 5, amélioration, aptitude, tir rapide. Grotte de Takar, prérequis niveau 1. Pierre du Sud, poudre de cailloux du Sud. Ok, bon, comme dans tous les Far Cry, on va s'amuser à confectionner des trucs, hein. Comme d'hab. D'accord. J'ai fait l'arc et les flèches, je les ai aussi. Ah oui, ok. Et j'en ai 8 en plus, putain la vache. Chasse. Pour chasser efficacement, approchez-vous doucement de votre proie et appuyez sur rond pour vous accroupir. Maintenez R3 pour utiliser votre vision de chasseur et marquer les bêtes et traces de sang à proximité. Gardez vos distances, certains animaux s'enfuiront s'ils détectent votre présence. Ok. Oui, bah c'est bon. Putain, je dois tuer 3 chèvres. Bon alors par contre, normalement, votre personnage a une particularité, c'est qu'il peut dompter tous les animaux. Enfin, c'est ce qui a été dit hein, dans le truc. Par contre, c'est où qu'il y a des animaux? Ah, c'est un animal, ça. Merde, je me suis trompé de bouton. Ah putain, je tank vachement par contre. Est-ce qu'on n'essaierait pas un tir dans la tête? Oh là 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 là! C'est la puissance. Ça, c'est ce qu'on aime dans les Far Cry. Hein. Je peux me soigner? Ah ouais, alors pour me soigner, d'accord, faut que je bouffe. C'est plus comme dans les anciens Far Cry où... Tiens, bâtard. C'est plus comme dans les anciens Far Cry où en fait, fallait des plantes ou des trucs et après, ou même sans rien en fait, vous pouviez vous soigner en fait en faisant un bandage ou quoi. Là maintenant, il me faut de la viande, ok. Enfin, de la viande, il me faut à manger quoi. Alors, un petit dernier. Oh putain, il y a plein de chèvres ici en fait. Tac! Zbim! Des tirs dans la tête! Et ouais, mon gars, moi je suis un chasseur! Je suis un bonhomme! Bon, à tous les coups, il va falloir qu'on se fasse le tigre maintenant, non? Je dois trouver abri. Moi, trouver abri! Il n'y a plus de place dans le sac pour. Putain, il n'y a plus de place dans le sac déjà! Avec tout ce qu'on va devoir ramasser! Oh la vache! Je peux pas ranger mon arc, ça serait plus ou moins stylé. Ah, je peux faire un feu ici. Ok. Allumer un feu. Allumons un feu. Mais c'est quoi Wenja? Putain, moi il faudrait que j'arrive à savoir ce que c'est. D'accord. Il me faut un gourdin. Putain, franchement, c'est vraiment bien fait. Hein. Gourdin. Je peux pas améliorer ça. Ingrédients manquants. Vous n'avez pas encore appris comment confectionner des gourdins. Les gourdins sont des armes rapides, puissantes et résistantes. Lancez-les pour étourdir un ennemi, puis jetez-vous sur lui pour porter... Ok. Il me faut des bois d'aulne. Ok. J'imagine que c'est ça, non? Tac. Il m'en faut 3.
Tac. Si je peux confectionner. Alors. Spécial, balancez-le pour toucher plusieurs. Oui, ok, d'accord. C'est ça? Ah oui, il met une pierre dedans, d'accord. Ouais, c'est un marteau, quoi, en fait. Enfin, plus une matraque. Voilà, ouais, une masse, quoi. Ok. C'est quoi, je peux faire du feu avec, c'est ça? Enflammer le gourdin. Oh, j'ai fait une torche. Wenja, donc ça doit être quelqu'un ou... ouais. D'accord. Je pensais qu'il fallait appuyer sur une touche, mais en fait non, faut juste... Ouais, super l'animation, les gars. Ah, par contre, là, on a un tigre. Je peux pas le tuer, lui? Putain, la vache, les mecs, l'animation du truc qui s'enlève, quoi. Ça, c'est abusé, par contre. En fait, ce qui est énervant avec ce genre de choses, vous allez me dire que c'est un détail. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que... Oula. Je fais comment pour descendre? Ce qui est chiant, en fait, c'est qu'ils vous servent à un jeu, mais méga, genre... Enfin, pas méga, mais genre très très beau, tu vois. Mais t'as des petits détails comme ça qui viennent tout niquer. Je peux descendre, ok. Pardon. Alors, Wenja. Il s'est fait bouffer, non? Putain, ça a l'air... franchement, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a envie de voir la suite, de faire la suite, quoi. Alors sachez que j'attendais rien de ce Far Cry, enfin un petit peu quand même, je voulais voir un petit peu, ah, là il y a un cadavre là, je voulais voir un petit peu ce qu'il allait donner, mais j'étais pas en hype à fond dessus, quoi, tu vois. Alors, un loup. Tu es par puissant, Wenja, ok. Le loup il s'est fait déponcer. Eh ouais, moi j'y ferai les bêtes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez venir m'attaquer? What? Attends, ils bougent pas les... Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, bâtard. Alors? Vous voulez que je vous crame les fesses? Alors, hein? Allez, on dégage. C'est quoi ça? Os. Ah merde, j'ai foutu le feu! Putain, j'ai foutu le feu, je suis un gros bâtard en fait. Désolé, désolé les enfants, je me casse. Par contre, elle brûle indéfiniment le truc, parce que je vois, ça prend quand même pas mal de... Enfin, ça nique en fait ma tige, donc j'imagine que... Que c'est pas indéfini le bordel, quoi. Ah. Bois dur, ok. Et pourquoi il me disait que mon sac il était plein alors que je peux ramasser encore des trucs? Ouais, ça consomme vachement vite quand même mon truc. Je fais comment pour monter? D'accord. Par contre, j'ai plus de torche. Je peux changer d'arme? Oui. On va reprendre l'arc du coup. Bon alors, je prends pas le temps de fouiller plein de trucs, hein, parce que bon, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous en montrer un maximum. Alors, je sais pas si vous y voyez grand chose parce que même... Enfin dans la caverne il fait assez sombre. Ah là je peux peut-être faire un feu. Oh. Il y avait quelqu'un là. Bébé.
Enflammez vos armes via la... Maintenez l'action requiert de la graisse animale. Que je peux trouver ici, j'imagine, non? Non, c'est pas là. De la graisse animale. Où est-ce que je peux trouver ça? Il me faut de la graisse animale. Bah évidemment, vous allez me dire, tu peux trouver ça sur les animaux. Ah! Ah d'accord, ok. J'ai cru que c'était dissimulé parce que ça devenait de plus en plus noir. Alors... À combien de temps on est? Putain, 27 minutes? Mais je veux bien éclairer ces machins, mais je peux... J'ai peur. Et ce qui est bien, c'est que sur les murs, si vous y regardez bien, il y a plein de peintures et tout. Et genre, attendez, sur ça, là, je peux ramasser de la graisse animale sur ce truc-là, là. Ok, ouais, non. On va pas gaspiller de flèches pour ça. Je sais que je peux enflammer des trucs, mais j'ai pas de graisse animale. J'aurais dû les tuer, les loups, à mon avis. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça, mec? Oh la vache, mais c'est quoi ce truc, regardez? Ah merde, je peux pas... Je peux pas monter. Putain, la vache. Ah. C'est quoi ça? C'est un ennemi ou c'est un ami? Ah, ok. Checkpoint! Ah, une dame. Elle est bête, elle. Oh le tigre, je vais tellement me le faire, vous allez voir. Eh ben non, tu peux pas. Elle est plutôt mignonne à mon avis. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là. Oh. Ah, tu vois? Carrément. Le jeu est vraiment vraiment très joli hein. Pays d'Oros, découvert. Oros. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, hein. Je vous l'ai déjà dit, j'imagine que c'est la Terre Sainte, mais... Tigri chawasu tii baya martis. Tigri udam daf. Udam shaus. Dausam. Ah. Pourquoi? Pour les manger? Ah non, tu lui parles, d'accord.
Guam. Ok. En même temps, je vais pas dire non, hein, parce que bon, j'ai nulle part où aller. Donc, j'arrive. On va faire un petit apéro. Oh, ok. Ah, franchement, le début m'emballe. Alors, ce qui est assez rare pour un Far Cry. Oh, d'accord. J'aimerais bien dompter les animaux un petit peu pour voir. Ada. Tu nous as fait quoi là, du... Je mange pas de l'humain au moins. Ah non, ok. On dirait des fruits. Ouais, c'est des fruits. Oh, très mal modélisé par contre, ça rentre dans la main et tout. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujara. Udam. Pai hu winja uguana. Elle est vénère. Winja haiwa guasha. Santamsha. Orosu. Ah oui, elle a des oreilles d'humain en collier. Je vais mourir. Ok, on va aller faire de la cueillette. Oui, bah j'ai compris, il faut que je trouve des feuilles. Pas obligé de me dire ça tout le temps, quoi. Des stalactites, ok, grave blessure. Ah, évidemment, on va pas encore nous lâcher tout seul dans le truc. J'ai débloqué des nouvelles améliorations, tiens donc. Et des compétences. Hey, hey, la classe. Soin primitif, maintenez pour récupérer une barre de santé. Voilà, donc c'est de ça en fait que je parlais quand je disais de soigner dans les anciens Far Cry. Donc apparemment on va pouvoir le faire, mais il faut que ça soit une compétence, quoi. Alors bon, bah ça m'intéresse parce que je vais pas à chaque fois chercher de la bouffe pour... Sprint guérisseur. Maintenez pour vous soigner tout en sprintant avec L3. Mais attends, je peux avoir celui-là... sans avoir celui-là. C'est un peu spécial, ça. Il y a une barre de santé. Bon, ça, c'était évident, hein. Alors, je vais prendre ça. Tac. Merci. Des améliorations. Ingrédients encore. Amélioration. Peau de dôle. Donc, le dôle, hein, c'est un genre de... Mince. Comment je pourrais dire ça? Chien sauvage, enfin c'est un peu bizarre, vous allez voir si on en rencontre un. Peau de sanglier et sac à viande. Ok. Couteau de Kapala. Ah oui, c'est vrai que j'ai le couteau. Il est où? Il est là. Ah, je dois le confectionner. Ah, faut que j'en confectionne, d'accord. Ok, je crois que c'était un couteau que t'avais tout le temps. Alors, je peux enflammer. Putain, c'est cool, je peux... Oh. Non, désolé. J'ai débloqué de nouvelles compétences. Oui, mais ça, je sais, ça, je l'ai déjà fait. Bon, il nous faut des feuilles vertes. Ah putain, mais faut que j'aille archi loin pour aller chercher des feuilles vertes. Ce serait bien qu'il y ait des petits animaux comme ça. On peut confectionner 2-3 autres trucs. Mais regardez, c'est hyper beau, quoi. Il y a rien à dire là-dessus. Bon, apparemment... Est-ce que je peux voir la carte? Voilà, donc ça, à mon avis, ça, c'est la vraie carte du jeu, hein. Donc, il doit y avoir tout ça. Alors, par contre, d'après ce que j'ai vu, parce que je me suis déjà renseigné, chèvre, cerf...
Sanglier, tiens, il y a du sanglier là. D'après ce que j'ai vu, on peut. Enfin, il y aura plein de voyages rapides. Lieu inconnu. D'accord. Pardon. Putain, mais je. Ouah, tu auras un grappin! Putain, non mais genre quoi. Genre les mecs, les hommes de Cro-Magnon, ils ont inventé le grappin, tu sais, ils ont inventé le flingue et tout, mais. Oh? Ah non, ça c'est des chèvres. Je m'en fous, je veux des sangliers, des dholes. Et je peux pas le ranger mon arc? Attendez, j'essaye des touches. Voilà. Il y a des cris bizarres ici. C'est quoi ça, des tortues? Non, sérieusement? Ok. Il n'y a plus de place, d'accord. Bon bah c'était des tortues. C'est ça que je dois prendre? Tac, roseau, ok. Et franchement, au niveau du crafting, mais il y a plein de trucs. J'ai découvert un lieu, galet de Waka. Et non, je ne ferai pas cette blague. Ah, il y a un truc rouge là-bas. C'est quoi? Généralement, quand c'est rouge, c'est que c'est pas bon, non? Ah non, c'est des feuilles, c'est les feuilles vertes, ok. Et lui c'est quoi? C'est un ami ou c'est un ennemi? Hello toi. Ok, bon bah t'étais un ennemi apparemment. D'accord. Bon. Alors ce qui est dommage, c'est que normalement les ennemis c'est marqué en rouge hein, quand vous concentrez. on va se poster tel un vrai chasseur. Est-ce que lui je pourrais peut-être arriver à le... Alors je voulais lui tirer dans la tête mais j'ai pas à y arriver. Oh, je suis tellement cruel. Putain, j'ai déjà plus de ça quoi, c'est un truc de ouf. C'est un peu dégueu. Oh, les animaux ils font de ces cris bizarres. Alors bon, j'ai trouvé tes herbes donc on va rentrer. Ah putain. Et je fais comment pour le désenflammer ce machin là? Éteindre le feu. Suffisait de demander. Et je peux changer d'arme avec triangle, hein, forcément. C'est quoi ça? Enflammer la flèche. Attends, je peux enflammer des flèches, quoi. Mais taisez-vous! D'accord. Alors attendez, parce que quand je fais R2, regardez, en bas à droite, il y a un petit truc qui s'illumine. Alors, si vous me dites que c'est des fumigènes, parce que ça ressemble hein, quand même, je vais péter un plomb. What? Dégage! Hop. Oh le bâtard! Oh là 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 là! Non mais, à ce niveau-là, y a rien à dire quoi. Je veux dire, voilà, vous avez tout vu. Voilà. C'est clair, net, précis, vous avez tout vu.
Oh, les tirs dans la tête que je vous ai mis, les gars. Alors, je pourrais le dépecer. Je sais pas si ça sert quelque chose. What? Lâche-moi ça. À déplacer corps. Ah merde, je croyais qu'il y avait marqué dépecer. Bon alors ça c'est des attaques au corps à corps, hein, on est d'accord. Hein. Ok. Alors je sais pas si ça va vraiment nous servir, hein. Je pense que je vais plus utiliser l'arc que les attaques au corps à corps. Le but en même temps de Far Cry et de celui-là, vu qu'on est un chasseur, c'est de faire tout en discrétion. Tani. Dubu, walna naiska. Ah, c'est. M'enfonce tout d'un coup! Ah, le mec, c'est de la torture ce qu'il fait! Bon, Peggy 18, hein, évidemment, les enfants, hein, je vous ai prévenu en début de vidéo. Ok. Bah, c'est vrai, on n'a pas de pansement, hein. Tiens, mets-moi une feuille. Ok. Et en fait, avec l'édition collector, j'ai la carte d'Oros donc en papier. Nouveau villageois. Et franchement, elle est plutôt grande. Et en plus, il y a vraiment, j'ai vu beaucoup d'animaux. Hein. Pas comme dans le 4. Ok, oula, d'accord. Jour, ok. Emparez-vous de ce bûcher, facile. XP faible, population. Particularité déplacement, point de réapparition caché. Ok, bah oui, d'accord. Ah, là on a les dolls, là on a les sangliers. Est-ce qu'on n'irait pas se fabriquer 2-3 petits trucs avant de partir voir faire le bûcher? Tensai le chaman. Amenez Tensai le chaman à votre village, il vous apprendra à apprivoiser des bêtes et à appeler une chouette. Tiens, bah voilà, ça c'est un petit peu le but, la base. Alors par contre, est-ce que je peux faire des trucs vu que c'est chez moi maintenant? Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu ça. Viande, soins primitifs, soins basiques, soins rudimentaires. Viande plus feuilles vertes, ok. D'accord, et ça c'est quoi? Stimulant de vitesse. Ouais, enfin ça c'est toutes les conneries habituelles des Far Cry. Ok. Et sur les autres flèches, on a quoi? On a rien. C'est quoi ça? Ouvrir cache de récompense. Ok. C'est un endroit où les ressources et les objets sont stockés. Vous pouvez accéder à la cache de récompense depuis le village, dans n'importe quel avant-poste, bûcher ou feu de camp conquis. Ok. Tous les jours, une fois sa hutte construite, et même des objets rares avec l'amélioration 2. Revenez-y. D'accord, ok. Ouais, bah du coup, je sais pas, feuille verte. Feuille mauve. Putain, il y en a dans les caches aussi. C'est bien ça. Ressources pour le village. D'accord. Ah ouais, donc faut que je ramène des trucs pour construire des trucs aussi. Ok. D'accord. Et bah, les pots de bêtes, ok. Je croyais que j'en avais des pots de bêtes.
Du coup, on va tout stocker. Je peux pour vous. Mais non, transférer. Mais non! Mais non, c'est parce que... Mais... C'est pas ce que je veux faire. Comment je fais pour... Je peux pas transférer... D'accord. Et je... Ok, bah d'accord, ok. Moi, je croyais que je pouvais... C'est quoi ça? Ok, c'est pour dormir. Et si on va plus loin là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Bêtes. Vous voyez, il y a 42 bêtes. 42 bêtes, c'est un truc de ouf. Village. Progression. Je regarde un peu, hein. Putain, regardez. Armes débloquées, bêtes chassées, apprivoisées. Lieu important découvert. Objet de collection trouvé. Wow, objet de collection trouvé 184. Chasse de maître de bêtes terminée. Oh la vache! Putain la... Pardon. Putain la vache, il y a vachement plein de trucs quoi. Bon, pas le temps de s'ennuyer. Ok, donc on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire que je vais aller chasser 2-3 bestioles là pour confectionner des trucs et puis on essaiera de faire les dernières... Enfin les prochaines quêtes. Hein, je sais pas ce que vous en dites. Je pense que ça me paraît être un bon compromis. Ah, là on a un sac. Ok. Je pensais que je pouvais transférer de mon sac à... merde. À l'abri. Ah, là il y a un truc à récupérer. D'accord. Bon forcément ça nous donne de l'XP donc c'est un... C'est vrai. 1 sur 100. Prochaine récompense plus 2. Ok. Alors je cherche un sanglier mes amis. Chassons le sanglier. Alors je sais pas si je peux attirer les animaux avec de la viande ou je sais pas un truc. Ça serait stylé. Donc évidemment je pense que si je libère des avant-postes, la carte va plus se dévoiler. Enfin je pense, hein, j'espère, ça me semblerait logique. D'accord. Non, ça c'est des chèvres, hein, on est d'accord. C'est quoi ça, ça? C'est encore un sac. Bon, il était censé y avoir des... Haha, sanglier. Ah merde, c'est pas des sangliers ça? Bon, bah j'ai fail. Ah d'accord, ok, il est décédé tout seul. On est d'accord que c'est pas des sangliers, ces machins-là. Ah. Ouais, non, c'est un cerf, ok. Bon, mes sangliers, vous êtes où? Alors ça, j'aime pas du tout. Oula! Oh putain, j'ai tué... Je sais pas ce que j'ai tué, du coup. C'était quoi, ce machin? C'est un doll? Oh, c'est un doll! Nickel! Alors, moi, ouais, je disais, c'est un truc que j'aime pas trop avec les Far Cry, c'est quand ils vous mettent que là, ici, à cet endroit précis, vous avez un animal, et que vous êtes obligé de le chercher encore et encore et encore... dans la zone quoi, donc c'est un petit peu relou. Toi t'es quoi toi? Ok non, toi tu es pas ça, ok. Genre par exemple, regardez. Bon, faut peut-être que j'aille un peu plus par là. Mais je suis quand même dans la zone. Je devrais en avoir vu au moins un. Bon, on est à 50 minutes, je sais même pas si du coup... Ah ah, t'es mort. Je sais pas du coup si je pourrais vous montrer une bah, la prochaine mission ou quoi, je sais pas. Pot de sanglier, ok, bon bah et du coup
L'aigle, je peux l'abattre. Ça, c'est un sanglier. Ça, là. Non? Ok, non, c'est pas un sanglier. Il me faut des sangliers. Désolé, je fais juste que passer. Ah, là, il y a un ennemi sur la carte. C'est quoi? C'est un doll. Je crois que c'était un doll. Hein. On est d'accord? Ah. Un petit sanglier, non? Putain, mais mec... Truc de ouf pour chercher les animaux, en fait. En plus, je me suis éloigné du repère. Eh, mais t'es sérieux, mec? Difficulté de la chasse moyenne. Ah, putain, moyenne Je sais pas, j'ai fait tout le... J'ai fait tous les alentours et j'ai rien vu du tout. Enfin, si, j'en ai vu un, mais... Alors par contre, des cerfs, des biches, là... Là, vas-y, v'là que je t'en mets partout. Ah, 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 ah. Oh, là, il y en a un. Enfin, je crois. C'est quoi, ça? C'est un sanglier? Ah non, c'est pas un sanglier. Ah, là, il y en a un. Allez, décède. What? Ah bah quand même. T'as la vache. What? Dégage. Il est où? Putain, il s'est barré là-bas. Je crois que je l'ai tué, hein. On est d'accord. Ouais, si, il est là. Bah alors, mon petit. Alors, confection. Donc, je peux confectionner ceci. Tac. Allez, bim. Sac à viande. On est bon. Il me faut de la peau de dole maintenant. C'est vachement intéressant de chasser. Alors, du dole, il y en a ici. On va y aller. Bon alors ça va parce que la vie... Oh ok. La vie s'enlève pas trop vite. Donc encore... Enfin ça... Ouais ça peut aller. Oh là là, t'entends de ces bruits par contre. Ah moi je suis désolé, hein, quand je vais aux eaux, les cerfs et les biches, ça fait pas ça du tout. Hein. Bon après les animaux s'expriment. Hein. Alors par contre, ouais, pour tout ramasser, tout trouver et tout... Oh, le nombre de temps que ça va me prendre. Allez, monte. Parce que dans tous les Far Cry, t'as des collectibles à ramasser. Hein. Ça, c'est normal. Hein. C'est juste, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Bon alors, un doll. Y'a bien ça, là, quelque part, non? Oh, là, y'a un mur... Je dois faire quoi? Je dois le péter, le machin? Oh! Ok. Bon. Pareil, regardez la liane, là. Elle est modélisée en 2D, hein. C'est pas dérangeant en soi, mais c'est un peu moche, quoi. Ça fait tache dans le truc. Bon, l'herbe qui apparaît aussi à certains moments... Et est-ce que je peux balancer de la viande? Je suis en train de me poser la question. Merde. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah.
Tac. Bon, là ça va, là des dolls, là il y en a hein, par contre. Dégage. Voilà, vous voyez, ça aboie en fait, c'est un genre de chien sauvage. Je sais pas trop comment expliquer ce que c'est le doll. Hein. Genre entre un mix entre un chien et un coyote. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu le truc. Pardon. Alors, compétences de survie, compétences de cueillette. Ah oui, alors à mon avis, donc c'est bien ce que je pensais, c'est que chaque personnage a son propre arbre de compétences. On va appeler ça comme ça. Du coup, maintenez pour vous soigner tout en sprintant. Ça pourrait être pas mal. Du coup, on va prendre ça. Pour les... Genre, si tu te fais courser par un tigre, tu vois, au moins tu peux te régénérer en courant. C'est quoi ça, ça? Attends, me dis pas que c'est des sangliers. Genre, il y avait des sangliers ici aussi, quoi. Regarde! Merde. Tiens, bâtard, reviens. Tu es décédé. Et alors, si votre cible part trop loin et que vous arrivez pas à la trouver, c'est marqué hein, sur la mini-carte. C'est marqué sur la mini-carte. Regardez. Par exemple, lui, normalement. Enfin, j'espère qu'il décède. Ou alors, tu décèdes. Voilà. Il décède. Et normalement, sur la mini-carte en bas à gauche, vous voyez, j'ai une petite croix. Et donc, je peux retrouver facilement bah, les animaux. Alors, par contre, il me faut encore des dolls. Hop. On va aller par ici. Parce que j'en ai trouvé que deux, hein. Ah. Oh là 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 là. Ah merde, je suis en train de gaspiller des flèches pour rien. Tac, peau de doll. Confection, je peux confectionner un truc. Ok. Tac. Il me faut des plumes. Ouah, donc faut que je tue les oiseaux aussi en fait. Je suis en train de me demander. Ok, donc faut que je tue des oiseaux. Bon, c'est pas grave. Ok, donc, bon, on a chassé un petit peu. On va essayer d'aller se faire... c'est quoi ça, un loup? Putain, la vache. On va essayer de se faire, donc... ceci. Un petit bûcher taki ou kouaki. Je dis trop de la merde, c'est un truc de ouf. Oh... Vous êtes quoi, vous, des chèvres? Allumez le bûcher afin de revendiquer pour les Wanja. Ok, ouais, mais il y a des méchants de là où je vais, là, non? Les bûchers sont de grandes balises qui marquent votre trigger. Éliminez les ennemis proches, allumez ces bûchers. Oui, ben, c'est bien ce que je pensais. Donc il y a bien des ennemis. Alors, putain, il y a encore des sangliers, quoi, c'est un truc de ouf. Tu sais, tu galères à chercher l'endroit où il y a marqué les sangliers, des sangliers, et l'endroit où t'en trouves pas, t'en trouves. Ça, c'est un truc de ouf, ça. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tuer quelques personnes? Est-ce qu'il y a des gens, déjà? Attends, on dirait qu'il y a personne. Ouais, bon, à mon avis, c'est le premier, donc il doit pas y avoir grand monde. Du coup... Tac. Oh, ma chouette. Enfin, celle que je vais apprendre à contrôler, du coup. Tac. Et ça nous fait un voyage rapide. Quand vous capturez un bûcher ou un avant-poste ennemi, vous débloquez un nouveau point de déplacement rapide. Ok. Appuyez sur et sélectionnez le menu carte. Ok, oui, bon, d'accord. Ça, on sait évidemment. Ok, donc là on a des trucs, on peut ouvrir la cage de récompense.
Et je ne peux toujours pas. Pardon. Stocker des trucs, ok. Et j'ai eu des nouveaux villageois. Wouhou! C'est la classe. D'accord. Hop, merci pour le sac. On peut se reposer, sinon, bah, on continue, hein. Je sais pas ce que vous en dites. Du coup, on a combien? 1 heure? Ah ouais, non, on va peut-être pas continuer, finalement. Bah, du coup, je vais m'arrêter ici. Ah. J'imagine que quand, ouais, quand j'ai un triangle comme ça, c'est que j'ai une quête principale à faire. Du coup, ouais, non, on va s'arrêter ici. Donc, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Ma foi, ça m'a l'air d'être... pour le moment, un bon jeu. Enfin, un bon jeu, je peux pas dire ça, mais je veux dire, j'ai envie de continuer. Et le jeu est plutôt joli et sympathique. Donc, voilà. En plus, je suis un plus ou moins un fan de Far Cry. Donc, voilà. Je le redis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo, à faire plein de trucs avec ce que vous voulez, d'ailleurs. Et quant à moi, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, vive les jeux vidéo et à plus tout le monde. Ciao, ciao.